Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, moi ça va super. On va aujourd'hui showcase une team full Zenkai. Voilà, c'est un petit concept que j'ai voulu faire. On a que des personnages Zenkai entre Zenkai 7 et Zenkai 1. En passant par le Zenkai 3, on va voir qu'il y a des personnages qu'on utilisera plus que d'autres. Clairement, ça vous vous en doutez. Mais en tout cas, voilà, ça va être assez fun les gars. Petit aparté avant de démarrer la vidéo, j'ai créé ma guide les gars, j'ai créé ma guide, la Blast San. Donc n'hésitez pas à demander de rejoindre la team. Alors voilà, on a déjà plusieurs membres, enfin ça vient juste de commencer. On va accepter le Joom d'ailleurs. Et normalement il faut que j'aille dans options je crois, pour vous montrer le code. Voilà. Je vais vous montrer l'idée de guide ici. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux, vous l'entrez et vous rejoignez la guilde. Évidemment il faut que je vous accepte, mais en tout cas n'hésitez pas, pourquoi pas, si vous faites plus d'un million de points par saison. Il faut être un minimum actif, donc ça sert de demander l'acceptation si évidemment vous ne jouez quasiment pas. Voilà, donc les gars, on va partir sur ce showcase. On va jouer évidemment beaucoup les métis ici, pourquoi pas le Goku Zenkai. On verra s'il y a un très bon violet en face. D'ailleurs il faut que je fasse mes games, ça serait pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et abonnez-vous pour le nouvel overlay les gars. En tout cas je vous remercie à tous, on a dépassé les 2860, c'est ça, je voyais pas, c'est en petit. Donc les gars, merci à tous et c'est parti. Et ça part sur de la future pour cette première game. Alors comme j'ai dit, il y a un gros violet en face qui sera sans doute joué. Je vois pas comment ça peut être autrement. Je vois pas comment il peut pas jouer un jaune ici, son violet ici. Nous par contre ici on peut essayer comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai jamais essayé ce trio. Let's go. Et on est parti. Il a joué un rouge. D'accord. Fallait quand même avoir un petit peu de culot là dessus Attention à la cover, hein, parce que ici notre Gohan est un petit peu boosté. Bon, c'est pas non plus extraordinaire. Ok, Ezo, il va taper avec VB. Il aura pas le temps de mettre trop de strike, heureusement, sinon on aurait pris trop cher. Ah, il a l'aspect. Ok, dans cette team là, c'est quand même assez moins tanky. On va faire ça. Let's go. Ça part directement Rising Rush ici. Donc là, il va mettre Rosé sans doute. On va tenter la verte ici. Bon là on va le mettre au moins un PV, c'est déjà bien. Nice, nice, donc ça nous met plutôt bien. On aurait préféré prendre VB, mais VB on a quoi, on a de quoi faire du très très lourd. En premier ce serait pas mal de perdre Goku Zenkai en vrai. J'espère qu'il a pas le Rising Rush déjà. Je pense pas, non. Qu'est-ce qu'il a fait là? Le petit bug ici. Let's go, on va mettre le Goku Zenkai et on va ulti. On va ulti, ça sera au moins ça de placer. Il aura sans doute une verte pour se soigner. C'est pour ça qu'il garde l'Ikari ici. Mais bon, ça nous met plutôt bien. Ok, let's go. On va mettre la Kikoa ici. Bon, là, on tombe pas dans le bait, évidemment. On va garder l'ulti, on va garder l'ulti en vrai. Ok, c'est pas grave de se faire toucher ici, sinon Rising Rush, on sait qu'il met, si il ultie, on mettra Goku dans tous les cas, donc on est pas mal. On est toujours très très bien cette game. Vaut mieux se faire attraper Trunks que directement notre ami Goku. Let's go. Let's go. Bon, 2,3 millions de PV quand même le Goku. Hein. Peut-être une spé ça, non? Ok, une strike. Une strike, bon bah la game on peut plus soigner en plus hein. On peut plus soigner, ça nous met un petit peu mal quand même. On va tenter l'aspect ici directement. Au pire il esquive hein. Ok. Ok ok ok. Donc là il va essayer de nous Rising Rush je pense. C'est clairement son but, dommage on a vraiment plus de cartes en main. Ça c'est vraiment terrible pour nous par contre. Et voilà, il a essayé de nous Rising Rush, hein, je m'en doutais. Ok, ok, j'ai fait ça pour pas qu'il mette VB tout de suite.
Ok, là je pense pas qu'on tue les gars, ça m'étonnerait qu'on tue quand même pas, c'est pas sa meilleure team Gohan hein, évidemment. Pardon. Excusez-moi de l'avoir sous-estimé les frères. Excusez-moi, donc cette première game se termine en beauté avec ce Legendary Finish, let's go. Alors là le gars en face il doit prendre peur parce que sa team est pas ultra optimisée. Par contre la note elle peut faire très mal, donc il y aura sans doute un bleu en face. Je partirais bien sur exactement la même compo, franchement. Ouais. Ouais, ouais, je vais pas prendre. Même, j'aime bien Gohan Zenkai Violet, mais là, face à, même face à Ikari avec aussi peu d'étoiles, c'est pas judicieux. Je pense pas Goku Black non plus. Allez, on part sur le même trio, c'est parti. De toute façon, plus on va avancer, plus le délire des Zenkai, c'est n'importe quoi. Parce que plus on va avancer, plus on aura de cap des Zenkai, plus on aura des synergies de team absolument folles, quoi. Donc plus on avance, plus ça va être n'importe quoi. Clairement. Il a joué un vert quand même ici. Hein. Il a osé jouer un vert. Pourquoi pas, pourquoi pas, c'est pas si bête que ça. Ok, le Gohan qui est déjà en train de recte l'adversaire bien correctement. Bien joué lui ça par contre. Quand il va mettre Majin, on switchera. Ok, let's go. Bah, il va y passer. Hein. S'il y passe pas, il en sera pas très très loin. Allez, Goku, ça nous mettrait bien ça. Allez, frérot. Et en face, il doit vraiment doit se dire, mais c'est quoi cette team? Oh là 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 là. Ok. On va reculer ici pour la verte. Bien joué. Ah oui, ça tanque moins bien là. Là, ça tanque moins bien. 6P, on switch. Ouais. On switch parce que là, je pense qu'on y passe sinon. On va se payer Rising Rush derrière. Ça, c'est trop fort. Si ça passe, on a gagné, je pense. Si ça passe, on a gagné. C'est même sûr. C'est même sûr. Allez, let's go. Là c'est la win les gars, là c'est la win, il pourra pas revenir ici, même, peu importe qu'il nous tue, même s'il nous tue pas, il nous tue Gohan SSJ2, même, je vois pas comment. Est-ce qu'on va en avoir besoin de l'ulti? Bye. L'abandon c'est normal, c'est pour pas se faire Legendary Finish, donc les gars, deuxième game qui se passe super bien, je suis très content de cette team, bon. Je vois ses points faibles sur la tankiness. Après, c'est vrai que niveau attaque, bah, ils sont tellement forts les persos qu'on n'y voit même pas. C'est ça qui est complètement ouf avec ces Zenkai. Bon, le niveau de la team est super relevé en face. Donc là, on va prendre ça, c'est sûr. Il va prendre VB, j'en suis sûr et certain. Allez, on va pas avoir peur de VB, même si les 6 étoiles, les KZ de la team sont absolument folles, notamment le Zamasu. Mais bon, on va voir ce que ça peut donner comme ça. Allez, j'essaie encore une fois de vous offrir une très belle dernière game. Il a pas pris Zamasu. Aïe VB. Bon, ça c'est un misplay hein. Bon, il a bien fait, c'est bien joué à lui, c'est le moment de la sortir je pense. Ça évite de le mettre trop mal pour le début de la game, il a raison. Comment ça? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je crois que j'ai pas très bien compris là. Ok, on va le laisser. En vrai, on va le laisser pour l'instant. Je suis très surpris de la tankiness là, vraiment. C'est VB 6 étoiles. Hein. Il a bien joué. Et si nous ulti ici? Là, frérot? J'espère pour lui qu'il a la chance de remettre celle. Je pense que oui. Ouais. C'est vrai que celle revient plus vite que la normale. Donc heureusement pour lui, sinon c'était la fin. Je donnerai Gohan SSJ2 aussi, Rising Rush ici. Hein. Ouais, carrément. Ça peut être contré ça.
Ou est-ce qu'il va tuer en vrai? Je pense qu'il va tuer parce qu'il a un mort, sinon il aurait jamais tué. Hein. Ouais, et c'était pas loin. Ok, ça c'est fait. 1,3 million. Hein. Ce trunk, ceci, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Le midlife et là l'aspect tuera hein, dans tous les cas. Bah elle va tuer frérot. Aïe 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 aïe. Là aussi il va faire mal. Mais qu'est-ce qu'il fait en face? Il enchaîne les misplays en face. C'est impressionnant. Et nous avec la régénération de ki, on va pouvoir terminer ici. Let's go. Donc cette troisième game qui se termine beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort cette team, vraiment. Je vous invite à tester si vous avez le personnage là. C'est beaucoup plus compliqué évidemment, je me doute. Donc les gars, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus et à vous abonner. Ça a été très très fun pour moi de vous tourner ce showcase. J'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, c'est vraiment le cas, vraiment, ça se voit. J'ai le sourire, j'ai le sourire. Allez les gars, on se retrouve très prochainement. Ciao, je vous aime très très fort, let's go.